championne olympique et du monde, triple championne d'Europe, Malia Metella a contribué à l'essor de la natation tricolore avec l'or Manoudou. Si la Guyanaise est restée dans l'ombre de la championne olympique, cela ne l'a pas empêchée de marquer de son empreinte sa discipline. Née le 23 février 1982 à Cayenne, Malia Metella commence la natation à l'âge de 5 ans à l'USLM Pakoucine de 1986 à 2006 avant d'être licenciée au club des Dauphins du TOEC à Toulouse. En 1998, elle devient vice-championne de France du 50 mètres nage libre et termine 3e du 100 mètres papillon lors du championnat de France de natation. Puis elle quitte la Guyane à 18 ans pour intégrer l'INSEP. Dès 2003, les titres s'enchaînent avec un premier record de France au 50 mètres nage libre, un titre de championne d'Europe du 100 mètres nage libre et le bronze au 50 mètres nage libre. En 2004, aux Jeux Olympiques d'Athènes, elle remporte la médaille d'argent au 50 mètres nage libre après être passée par tous ses états. 4e du 100 mètres nage libre à 3 dixièmes d'une médaille olympique, Malia Metella a su puiser dans cette désillusion la force nécessaire pour décrocher, deux jours plus tard, l'argent du 50 mètres nage libre. Et Malia Metella qui se relâche maintenant pour faire son effort. Malia Metella et Thérèse Alchamar à la ligne d'eau numéro 8. Attention, la photo finish pour l'arrivée et la victoire pour Inge De Bruyne. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Metella. Une force de caractère qui a jalonné la carrière de la jeune femme. Avec l'or Manoudou, Malia Metella a constitué un modèle pour toute la génération de nageurs tricolores, mais la vice-championne olympique préfère se la jouer modeste. Une force qu'elle a également transmise à son frère Mehdi, qui se charge désormais de poursuivre la saga Metella. Après ces JO, Malia Metella gagne un grand nombre de médailles. Championne d'Europe du 100 mètres nage libre en 2004, elle monte sur la deuxième marche du podium au championnat du monde en 2005, médaille de bronze du relais 4x50 4 nages au championnat d'Europe en 2007 et médaille d'or au 50 mètres nage libre des Jeux méditerranéens en 2009. En septembre 2009, la nageuse décide de mettre fin à sa carrière pour finir ses études de journalisme. Pour commenter les Jeux Olympiques, ça serait formidable. Ou à Rio, puisque c'est à côté de chez moi, à la Guyane. Donc oui, j'aimerais beaucoup pouvoir aller être sur le bord, que ce soit le bord du bassin ou autre, parce que je reste pas qu'à la natation, ou pouvoir interviewer des champions. Et en 2011, elle donne son nom à la piscine départementale de Cayenne.